Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui la recette des carponades flamandes. Ceci vient s'ajouter au petit plat mijoté que nous avons donc vu précédemment, la blanquette de veau et le bœuf bourguignon. Aujourd'hui, ce sera donc les carponades flamandes, petit plat mijoté à manger également en famille, c'est convivial. Vous allez voir ça tout de suite, comment préparer cette bonne petite recette en images. Je vais vous présenter donc les ingrédients. Il y a donc nos carbonades de bœuf, bien sûr. Elle est très belle, vous voyez, pas beaucoup de grains ni quoi que ce soit. Alors, il y a les petits oignons grelots que j'ai pris, un oignon, un gros oignon normal, des carottes, plus ou moins 4 ou 5 carottes pour un bon kilo de viande. Alors, la bière brune, bien entendu, la moutarde, le sucre, de la farine, et alors nos petits aromates, poivre, sel, petit bouquet garni, du thym, le bouillon de cube de viande. Mettez du beurre dans votre cocotte, nettoyez votre viande du gras excessif ou des petits nerfs et épluchez vos légumes. Disposez vos morceaux de viande dans votre cocotte afin de les faire dorer et pendant ce temps, coupez bien tous vos légumes. Après quelques minutes, lorsque votre viande est bien dorée, singez votre sauce, c'est-à-dire mettez de la farine dans votre sauce, plus ou moins ici 2 à 3 cuillères à soupe de farine. Ensuite, disposez vos légumes dans la cocotte. Disposez maintenant votre bouillon de cubes de viande dans votre cocotte et assaisonnez votre viande de sel, poivre et des différents aromates. Arrosez maintenant votre viande de bière jusqu'à ce qu'elle soit bien recouverte et laissez mijoter quelques minutes en cuisson. À mi-cuisson, nous introduirons notre moutarde. N'oubliez pas bien sûr d'ajouter quelques morceaux de sucre selon votre goût. Goûtez bien avant. Ajoutez maintenant vos 2 cuillères à café de moutarde. Laissez mijoter maintenant encore au moins une bonne heure. Et bien voilà, la petite recette est terminée. C'était donc une petite recette qui venait compléter les petits plats mijotés. Donc c'est le 3e plat mijoté que je vous présente, puisque j'ai présenté la blanquette de veau, le bœuf bourguignon et donc aujourd'hui les carbonades flamandes. Donc n'oubliez pas peut-être d'accompagner ceci d'une petite pomme frite, ça s'accompagne très très bien. Alors n'oubliez pas aussi de vous abonner donc à la chaîne. Pourquoi je dis cela? Parce que comme ça vous êtes directement prévenu quand il y a une petite recette qui a été mise en ligne, vous avez un petit signal qui vous prévient, ce sera plus facile pour vous. Alors aussi mettez peut-être un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me ferait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et alors n'oubliez pas de visiter peut-être le petit site internet hein, qui s'affiche en couverture hein, de notre chaîne. Je vous souhaite un très bon appétit et à bientôt pour une prochaine recette.